Chers petits observateurs, aujourd'hui on va parler du Dacia Duster. C'est la meilleure vente du groupe Renault, c'est la voiture la plus vendue en France. Et pour découvrir la voiture, j'ai invité mon frère. Pourquoi ? Parce qu'il n'en a strictement rien à faire des voitures. C'est très curieux, il m'a toujours pris pour un doudingue. Et la seule bagnole qui l'intéresse quand je discute avec lui, c'est justement le Duster. Et aujourd'hui, il va faire ce que j'appelle le test du couillon, c'est-à-dire que il va la découvrir et il va nous dire ce qu'il en pense. Voilà. Alors, je précise qu'il ne l'a pas encore vue. C'est le Premier ministre qui est allé la chercher. Et ça fait maintenant 5 minutes dans le froid. Oh là là, tu fais peur. Ah ouais. Tu fais peur. Ça va, mon frère. Il faut que je sorte le micro, que je le mette au milieu. Ouais. Tu l'as pas découvert encore, la voiture? Non, je la vois là derrière l'olivier. Ouais. Mais de base, moi, c'est la bagnole que je voudrais. Alors, j'ai précisé, tu n'en as rien à foutre des bagnoles. Ça doit rouler. Tu n'as même pas de bagnole, enfin t'as une vieille sable. Ouais, ouais. Mais que, non, elle est crevée, il faut que... Et tu vas à la campagne tous les week-ends, il faut expliquer. Je loue des voitures le week-end, sans ça, avant, quand la sable marchait encore, on prenait le train, puis de là-bas, on avait la voiture. Bien que... Attends, je prends mon sac. Non, mais t'es un cas particulier, parce que quand même... Voilà. Non, mais je connais la bagnole avec non, toi, non, mais quoi. T'as trois enfants, ouais. T'as besoin d'une voiture, mais t'en achètes quand même pas. Parce que c'est trop cher. Voilà. C'est trop cher. Et depuis toujours, tu me dis... La seule bagnole qui t'intéresse, c'est ça. C'est Dacia. C'est la première fois que tu le vois. D'abord, j'adore la couleur. De face, je trouve qu'il a une gueule géniale. Et vraiment, les premières Dacia, je trouvais que c'était construit moche. En gros, c'est la voiture du pauvre, c'est les voitures des gens qui n'ont pas les moyens. Donc, on leur fait une bagnole moche. On fait pas attention. La première Logan, il y a 10 ans. Oui, c'est ça. Là, maintenant, je trouve qu'ils ont gardé la même philosophie, c'est-à-dire une voiture pas chère, mais bien. Voilà, on peut faire avec peu de moyens un truc bien. C'est vraiment une bonne gueule, regarde, c'est joli. Tu vois, ça ne... Alors, on a... Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour, Audiman, c'est pas trop dur? Bon, écoute, ça va, je vais vous laisser les clés, vous allez y aller. Hein? Et moi, je la trouve magnifique. Ah, moi, je la trouve très belle. Non, mais franchement, si vous avez une gueule, j'ai tout le temps enfin qu'on l'ait. Mais quand t'en croises sur l'autoroute ou sur les routes, si tu vois pas Dacia... Ça pourrait être n'importe quelle voiture. Regarde, il a du mal, Cédric. On peut être honnête, il a du mal. Non, le Premier ministre, c'est difficile. Il a... À ce point-là. Alors, voilà les clés. Nous attend à 18h. Hein, 18h30, prenez votre mais temps. À ce point-là. Mais donne-lui. Mais c'est toi, Ludovic, qui fait le couillon. Ouais. Tu vas monter à bord, tu as le droit de tout regarder. Attends. Tu dois partir en week-end avec, ouvre le coffre. En fait. Le coffre, c'est là. Il faut lui expliquer. Parce que... Non, mais qu'est-ce que tu regardes devant? Non, mais il est pas mal. Il y a quelqu'un? Non, mais il est pas mal. Il met pas mal de trucs. Alors, ça me fait chier, moi, ça je vire. Attends, je fais de la non, mais ça sert à rien, quoi. Ça monte les bagages. Il faut expliquer que à la campagne, tu vas à la déchetterie. Oui, je vais chercher du ciment, des pierres. J'ai un mur à monter, faut que j'achète des briques, quoi. Donc là-dedans, c'est parfait. En fait, tu cherches un utilitaire, quoi. Oui, mais le genre agricole, tu sais. Oui, hein, mais très agréable. Mais il faut un truc qui passe partout, qui consomme peu. Mon Dieu, c'est presque trop chic. Hein. Qui il y a du de la moquette, hein. Non, attends, fais attention. Mais hein. Il y a 15 ans, la bagnole que je voulais acheter, c'était le Kangoo. Ma femme, hors de question pour elle. Ça sera un autre sujet. Parce que moi qui ai toujours rêvé d'être vendeur de voitures, ça y est, pour une fois, j'ai l'impression de... Julien, t'as le droit de parler en même temps. Et où est-ce que tu branches? Ah, c'est là. Ça, c'est pas con. Tu vois, pas comme dans l'autre. Attends, explique. Tu cherches d'abord, tu cherches deux choses dans une bagnole. Le limitateur de vitesse. Pour pas être flashé, il me reste deux points. Parce que j'étais flashé à 131, 91, 111, machin. Ah ouais, quand même. Ah, oui. Deux points, vraiment? Oui, il me reste deux points. Mais je prends la voiture une fois par semaine. Donc, tu passes un stage vite. Donc je regarde où est-ce que je branche mon téléphone pour écouter, pour recharger et puis écouter la musique. Et le limitateur de vitesse. Alors quand je le vois là, je râle. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Pourquoi on le met si bas? Ça, ils veulent mettre un gobelet là-dedans. Mais dis non. Julien, parce que moi je bois un café. Alors bon, il est là, ça c'est pas mal, ça c'est bien ici. Et donc après, je regarde. Voilà. Tu mesures quand même pas loin d'1m90. Et tu fais ton quintal quand même. J'ai beaucoup maigri. Non, mais il faut expliquer parce que c'est quand même. Toi, tu dis toujours comment on s'assoit dans une bagnole. Il faut la porte fermée. Vas-y. Il y a un truc que je veux voir. C'est quand tu conduis. Voilà. Là, c'est la bonne taille. Tu vois, tu peux avoir le bras et tenir ton volant. Parce qu'il y en a, t'es comme ça, alors tu peux pas. Ou t'es comme ça, tu peux pas. Là, toi, tu peux mettre le coude ici, tu peux mettre là. T'as mis le régulateur, tu tiens à peine le volant. Ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, pareil, les rétroviseurs, souvent, je trouve qu'on voit rien du tout. Là, ils te bouffent quand même. Tu vois, je vois pas la route là. Je suis ici. Je regarde devant la rue, je la vois pas. Peut-être que tu baisses le fauteuil. Peut-être qu'il doit être pour ouvrir, je pense. Fauteuil. Ah oui, non, mais là, on est. C'est un vrai test. Non, c'est pompe, c'est déjà en bas.
T'es déjà en bas? T'es déjà en bas. Là, tu vois, je vois pas la route. Tu vois, si je veux y aller... Tu n'es pas au standard européen, Ludovic. Je m'en fous, mais je suis au standard de moi-même. C'est déjà pas mal. Non, mais tu vois, là, le... Alors, je sais pas ce que c'est comme plastique, monsieur le Premier ministre, mais c'est agréable. C'est doux, c'est du cuir. Ah bon, c'est du cuir. Mais c'est agréable à tenir. Les clés sont là. Attends, je vois, et puis il fait froid. Et slip. 110 four, diesel. Celle-là, ouais. Boîte mécanique, ouais. On est des années 80. Ah oui, alors, oui, mais ça c'est intéressant parce que c'est toi expert. Toi, est-ce que c'est grave qu'elle soit en boîte mécanique et qu'elle soit... Je préférerais automatique parce que je suis un feignant. Alors déjà, je vais dire, il ne faut pas que ce soit trop rapide moi, au départ. Attends, tu n'oublies pas Julien, descends tout doucement. T'as vu, c'est génial parce qu'à Paris, toutes les voitures ne se ressemblent pas. Elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Regarde, on a une Bentley. Et on a une magnifique Bentley. Attends, t'en vas pas trop vite. Avec une peinture, je ne peux pas ouvrir la vitre. Avec une peinture lézardée. Il faut que tu me libères les vitres, voilà. Il, est trop... il dort le mec. Elle est belle, elle est affreuse. Hein. On dirait une mansouris. Avec une peau de lézard. Ah non, elle est vraiment très élégante. Non, alors ce que j'aime bien aussi, c'est que tu vois le bout de ta voiture. Le nombre de bagnoles où tu vois pas ton capot, et donc quand tu te gares, ou tu sais, tu es dans un parking, tu dois aller c'est bien proche du mur, tu es là, dire, je vais toucher, je vais toucher. Là, tu vois, au moins, tu... ça c'est bien. Mais c'est là, en première, c'est à pied. Qu'est-ce qu'il y a déjà en première en 3 secondes, tu vois? Non, mais c'est doux. C'est-à-dire que quand tu appuies, ça fait pas boum, ça part pas comme une balle de pomping, là, ça top, ça va doucement. Mais moi, franchement, je trouve ça super. Là, la petite clim, là, le petit machin. Là. C'est Cédric, tu viens. Appuie sur le bouton caméra, qu'est-ce que c'est? C'est la caméra arrière? Où ça, sur quoi? Là. Ça? Ouais. Ah, oh! Pas très haute définition, mais. Alors, attends. Juste un mot, Cédric. Toi, tu l'as. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, j'ai pas filmé. Regarde, là, tu vois, t'es derrière. Ouais. C'est curieux ce que ça te dit devant. Là, tu vois derrière alors que ça te dit deux. Ah non, d'accord, ok. Là, non, sur le côté. Tous ces équipements, ils savaient même pas que ça existait. Non. Je pense. Hein, mais c'est Hibernatus, il s'est réveillé. Cédric, un mot, parce que toi, tu as conduit ce matin... Non, mais en fait, elle est... c'est une voiture très objective. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a tout ce qu'il faut pour plaire à des gens qui n'aiment pas l'automobile. Ou qui le regardent de très loin. Ah, mais moi, j'aime l'automobile. Et cette voiture, pourquoi elle plaît? Parce qu'au fond, elle a tout ce qu'on attend d'une voiture à l'instant où on parle. On l'a vu, les caméras. Elle a du cuir, en tout cas un cuir à peu près chouette. Elle a un semblant d'aide à la conduite, tu vois, avec un régulateur, limiteur, freinage automatique d'urgence. Elle a des choses qui commencent à devenir... Et qui, pour des gens qui changent... Elle a l'alerte d'angle mort, tiens, aussi. L'alerte d'angle mort. Bon, elle a des choses, en fait, qui, il y a 10 ans, faisaient tout le sel des automobiles premium. Et heureusement, ça se démocratise. Tant mieux, on applaudit tous. D'ailleurs, elle est très bien notée, justement, en fiabilité. Ben voilà, t'as rempli toutes les cases. C'est la voiture qui fait le job. Et tant mieux. Et je comprends que Ludovic, ça lui plaise. Après, quand tu défends... Ouais. Enfin, quand t'aimes un peu la bagnole et que tu sais tout ce qu'on peut faire avec une automobile, moi, je la regarde un peu... Forcément, hein, putain, il se la pète, il la regarde avec une certaine hauteur, presque condescendance, c'est snobisme. C'est pas faux. C'est pas faux, les gars. Mais, cela dit, c'est comme, je sais pas, moi, quelqu'un qui aimerait... J'adore les chocolats, j'adore la pâtisserie, par exemple. Et qui irait un peu chez Carrefour bouffer une religieuse qui a été faite de manière industrielle. Elle peut être bonne. Mais tu te dis, attends, si je rajoute encore un petit peu ou un euro de plus, je peux avoir un truc d'un pâtissier vachement sympa à côté. Moi, je préfère. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu ressens depuis 5 minutes? Ben là, j'ai déjà un peu... Alors, je trouve que le fauteuil, il m'entoure un peu, quoi. Tu vois, ça remonte sur les côtés, ça te prend là. C'est pas, ça, il faudrait voir si on peut régler ça. C'est pas... Tu vois, ça fait baquet sport, je suis pas... En fait, le problème de Ludo, c'est que je suis sûr qu'on lui filerait un Chevrolet Silverado ou un machin. Il adorerait, en fait.
un pick-up. Mais non, oui, il mais... adorait. Il faut une voiture de ricain, il faut une voiture de non, là, du Middle West. T'as de la place. Bon, t'es un peu serré. En fait, il lui faut un pick-up. Mais t'as de la place. Non, mais je regarde, toi, je me dis, avec le passager à côté, on se bouffe pas. Faudrait voir derrière pour... Il y a des petits coffrets pour que les enfants y mettent leur cochonnerie. Oh bah t'as les petits bacs. Non, il n'y a pas de coffret, non, parce qu'il y a eu des scéniques dans le temps. Ouais, mais c'était très pratique, ça, le truc, tu mettais les doudous en dessous et c'était vachement pratique. Faut pas rêver assez. Julien, un mot. Un mot. Moi, c'est une voiture qui me fait pas rêver. Ça y est, un mot. Non. Non, mais moi, j'avais essayé la première version de... Oui, à droite. J'avais essayé la première version de la Duster, donc je la connais. La première était un peu complexe, honnêtement, parce que c'était vraiment les ça voitures veut dire de quoi, complexe. Bah, moi, c'était dans les îles, parce que j'avais fait des reportages là-bas, et c'était la première version qui était à 12 000 € sans aucune option ou quoi que ce soit. Et là, tu sentais que c'était vraiment une voiture juste pour rouler. Ouais. Donc voilà. Après, faut pas oublier que même celle-ci, en crash test, elle a que 3 étoiles sur 5. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. C'est un reproche fondamental. Ouais. Et ça, effectivement, Julien, t'as parfaitement raison de le noter. Ouais. Moi, c'est gênant. Pour finir, sur le truc, après, ça bloque. Hein. Celle-ci, franchement, l'intérieur, ça n'a rien à voir par rapport à la première. Il n'y a rien à dire. C'est bien qu'il y ait des voitures low cost, mais par rapport au crash test, moi, c'est un truc. Je préfère acheter une voiture, par exemple, qui a peut-être 1 an ou 2 ans, tu vois, d'occasion. Mmh. Qui est peut-être un petit peu mieux en crash test, qui est peut-être un petit peu plus optionné qu'absolument une voiture neuve qui est à 12 000 ou 15 000 € en me disant ouais mais derrière voilà. Après c'est un choix, c'est un totalement un choix, ouais, c'est un vrai débat. Mais c'est drôle parce que moi je trouve pas du tout qu'elle fasse low cost, non, parce que la promesse est tenue, c'est-à-dire que tu sais ce que t'achètes. Julia par exemple, il y a un esprit très Alfa Romeo en tout cas italien, les petits switchers aussi en haut. Tu vois, c'est repris d'inspiration allemande. Si je dis Audi, les mecs vont me sauter dessus, mais il y a de ça. Les aérateurs de Julia. Ouais. Non, mais tu vois, il y a... Elle a un arrière de Jeep un peu. Alors, cela dit, il fallait que le produit évolue. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un produit qui était à l'origine normalement ultra basique, avec même pas les vitres électriques, ils en font au fond une voiture équipée comme le début d'un modèle premium. Et puis, t'as vu, démarrage sans clé. Là, tu vois qu'il y a le truc, mais il n'y a plus la clé, donc démarrage sans clé. Ludovic, si tu veux parler, c'est le struggle for life. Hein. C'est comme à table chez le père. Vous parliez de low cost. Non, elle n'est pas low cost. Parce que elle est fair cost. C'est vraiment le juste prix. C'est-à-dire qu'on c'est a éliminé. Mot, c'est un très joli mot. On a éliminé la pub, on a éliminé le marketing, on a éliminé tout ce que tu payes. Quand tu payes ta basket 200 balles. Tu payes 150 balles de pub où on dit achetez-moi, achetez-moi. Là, on ne dit pas achetez-moi. Tout ça, on l'a éliminé pour juste se concentrer sur. On va mettre l'argent uniquement dans la bagnole et pas dans tout un tas de trucs autour. Et ben, comme tu dis, voilà, le résultat, il fait que. Ben, moi, je suis dedans, je suis très bien. Moi, je trouve que c'est la 4L. Enfin, je la trouve vraiment très bien. Mais c'est chouette de dire la 4L. Ça lui va bien. Non, je sais pas si vous êtes monté dans une 4L récemment, mais je suis monté dans une 4L il y a un an, un copain qui avait ça. Là, c'était rude, hein. Ouais. On se rend compte quand même. Là, on était dans le dépouillement, mais alors total, hein. Là, t'as quand même l'impression d'être t'as l'impression d'être protégé. Alors, on dit, non, ça mais elle est confortable. Hein. Elle est confortable, malgré effectivement le diesel en plus. C'est pas bien, le diesel. Bah, c'est fini, quoi. Là vraiment, tu vois, même eux, je veux dire, ils voulaient pas me donner ça. Ils ont eu un problème, il n'y avait plus que ce modèle-là. On voulait avoir une boîte auto, enfin, c'est... Même eux, on voulait une Alpine et puis ils nous dit prenez ça. Bon, alors tu m'as dit que tu aimerais aller à conduire sur les petites routes dans Paris, c'est difficile, mais enfin, tu es déjà... Moi, je trouve que c'est vachement bien. Bon, on va aller rencontrer un autre homme de poids, à qui je vous demanderai tout le respect, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Il s'agit du commandant Châtel. Venez avec moi, Julien. C'est vrai qu'on dirait une Jeep de derrière. Par ici, commandant. Emmène-moi, s'il te plaît, emmène-moi. Commandant Châtel, je vous demande une position précise. Ben, c'est Julien Rosebois. Vous n'avez jamais vu Julien. Voilà. Bah, je l'ai vu, hein? Je l'ai vu à la télé. Ouais, vous l'avez vu. Je l'ai vu sur YouTube. Ouais, voilà. C'est la télé moderne. Bon, commandant, vous manquez à nos troupes, vous manquez à nos soldats, à nos positions, à nos forces portées. Vous ne vous êtes jamais rencontré avec mon frère. Alors, ton frère, je l'ai vu à la télé, pareil. Oui, moi aussi, je vous connais à la télé. Mais moi, je connais votre secret. Le chou farci. Non, pas du tout. Vous êtes l'homme qui connaissait
par cœur la chanson du Baron Antoine. Exactement. C'est alors ça, un homme qui sait, qui connaît ça ne peut pas être foncièrement mauvais. Alors, mais maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir me la chanter. Alors vas-y, garde à vous. Non mais au moment où on me la demande, forcément. Courant le cerf, le chevreuil et la biche, à travers bois tant que dure l'hiver. Forçant la belle au retour du printemps, hardi Antoine va toujours de l'avant. Bravo, bravo. Le baron de l'Écluse, Jean Gabin. Formidable film. Voilà. Bon ben, un homme qui sait faire ça, tu vois, voilà. Ça a le droit de conduire un Duster. Ça a le droit de conduire un Duster, ouais. Bon, commandant, faites-moi un petit tour des revues des troupes. Est-ce qu'on pourrait crapahuter avec un... Qu'est-ce que tu penses du Duster? Plutôt du bien, moi, tu vois. Mais toi, en tant que bagnolard, ça te... Alors moi, j'ai pas ce genre de choses, parce que j'ai des voitures plus basses, non, on va dire. Non, mais c'est bien, mais tu es contre, tu es neutre. Ah, je suis... Bon, non, je suis plutôt pour, je pense que... Bien, Mais alors, ça fait un peu 4x4, ça, ou pas? Il y a une version 4 roues motrices, on va se faire... Alors moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que Dacia, il vendait que le haut de gamme. Oui, c'est que les gens s'achètent le haut de gamme du bas de gamme, quoi. Et puis, alors, ça, elle est belle. Tu vois ça, par exemple. Ouais. Ça, je trouve ça super. Ouais. Parce que moi, qui suis un grand... Enfin, qui vais chercher du bois, qui vais acheter des machins et tout, ça, là-dessus, tu mets des trucs. C'est une voiture utile, quoi. C'est une voiture pratique, mais ça a de la gueule. Et ça doit être assez agréable, comme on est un peu en hauteur. Ouais. Non, moi, je la trouve très bien. Ah, Ludovic, tu demandais tout à l'heure si on pouvait farfouiller dans le moteur. Bah, c'est ça, c'est un 8 cylindres, hein, ça se voit tout de suite. Non, mais si tu peux changer des trucs toi-même, s'il n'y a pas trop d'électronique. Si je peux me permettre, c'est un V12. Ah, c'est ça. Ouais. Tu vois, là, on voit la tête du piston. C'est vachement bien calfeutré aujourd'hui. Hein. C'est très moderne. Mais moi, je préfère que ça ne soit pas calfeutré. Franchement, je trouve ça très rassurant. Quand tu as l'ampoule qui pète et que tu dois changer, il y en a... Tu vas chez le garagiste. Oui, voilà. Tu vas chez le garagiste pour changer ta... Maintenant. Mais faut être tuyau, quoi. Ah bah maintenant, oui. Non. Là, non, mais regarde, déjà, il faut des torques, machin. Regardez tous les tuyaux, on se demande si c'est quoi. Là, tu vois, là, t'as le truc. Donc, je sais pas comment tu retires ça. Enfin, c'est clipsé, là. Tiens, on va leur déclipser, ça va leur faire plaisir chez Renault quand on va la rendre. Tu veux garder un phare, c'est joli sur un bureau. Et surtout, tu l'attrapes par derrière facilement. Tu dois pouvoir le rebrancher. Dites donc, Fréour, il y a du vérin. T'es obligé de payer 20 kilos. Ah ouais, ils ont dû choper un stock en Roumanie, je sais pas. Comment ça vaut une voiture comme ça? Allez, je pense celle-là, elle est bien mouillée, ça vaut 20 000. C'est pas un 21, mais il y a quelques options. Mais je crois que le modèle un peu chic en finition, je sais plus, c'est lauréate ou je sais pas quoi, c'est à 16 000, on mettra les trucs. Et après, si tu prends la version 4 motrices, c'est un peu cher. Mais franchement, il n'y a pas de concurrence, quoi. C'est... Ah, et le joint, Fréour. Le joint, là. La coupe du joint. Regardez les deux derrière. T'es bien. Hein? Regarde, à deux vrais hommes, on est bien. Voilà. Moi, je suis souvent mal à l'arrière dans les voitures, je peux te dire. Je suis très souvent mal. Ouais, là, je suis bien. Tu vois, et je touche pas. Souvent, je touche, tu sais. Mais il y a des Uber, ils ont des Mercedes, comme ça. Où t'as le truc, tu touches. Et t'es obligé de te mettre comme ça. T'as le plafond ici. Tu dis, mais c'est fait pour qui? Si c'est pour des Japonais. Non, mais nous, on est des morceaux. Hein. Non! Si, quand même. Mais bon, attends. Ah, bah si. Quand même des hommes de notre place. Et si tu regardes là, je trouve ça amusant d'avoir mis justement ces formes. Intelligent, mon frère. Qui ressemble très. On dirait du Nazarelli. Voyons. Que tu retrouves ici. Et ce qui est rigolo, c'est si tu regardes plus loin, le phare ici, ça reprend cette forme-là. Tu vois, juste ce truc-là, c'est ça. Ici, t'as les barres comme tu les as ici. Tout l'ensemble. T'es en train de devenir bagnolard. Ouais. Moi, je connais rien. Aussi. Et là, tu te dis, tiens, il y a une cohérence dans le truc et qui est très bizarre parce qu'une certaine manière, il ne va pas avec le reste. Mais c'est comme si tu disais, ben voilà, ça, c'est nous, c'est Dacia. Et Vazarelli, il avait fait. Il a fait le logo de RTL, c'était les ronds concentriques comme qui étaient les ondes. Qui sont les ondes, évidemment. Et la façade de la rue Bayard avait été faite par Vazarelli, parce que c'est un immeuble moderne, un peu comme ça, assez moche. Et il avait eu l'idée de. Ils l'ont enlevé. Et ils l'ont enlevé, parce que RTL déménage de la rue Bayard. Ils sont maintenant à Neuilly-sur-Seine, plus près du Seigneur, j'imagine. Et. Seigneur Taverneau, et la façade a été démontée, elle a été emportée à la Fondation Vazarelli. Donc au moins, ils ne l'ont pas mis à la poubelle, parce que ça avait quand même une gueule, cette façade extraordinaire. Ça va, madame la ministre? Ça va, bon, vous avez une très grande responsabilité, madame la ministre, sans le savoir, parce que on se promène avec le Duster depuis ce matin, il n'y a que des ours qui l'ont conduit, en fait, en gros. Mon frère... Châtel l'a regardé un peu, on est allé voir le commandant Châtel. Bon, Cédric, il a beaucoup de mal, il a été obligé de se signer, tu sais, c'est dur pour lui. Moi, je suis emballé par cette voiture que je trouve juste depuis le départ. Mais c'est toi qui vas avoir un peu le mot de la fin.
tu vas la conduire un peu. D'accord. c'est un peu les ronds dans l'eau, on fait ce qu'on peut en tant que parisien. Mais allez, tes réactions. De prime abord comme ça, je trouve qu'en fait elle en jette. Quand je l'ai vu arriver, enfin tu te dis pas tiens, c'est une voiture low cost, enfin comme ça de prime abord, je trouve qu'elle est plutôt pas mal, tu vois, les jantes, après certainement que les matériaux, tout ça, c'est pas tout à fait ça ce qu'il faut, mais ça envoie. Et en fait, ils y sont allés encore plus que sur la précédente, dans ce côté-là. Ils ont vraiment joué sur les codes stylistiques qui sont actuels. Et ils en ont mis, quoi, pour que ça fasse waouh. Parce que je l'ai vu pas mal, en plus, j'étais à la campagne, là, j'ai vu pas mal de Duster, parce que là-bas, il y en a plein. Donc, j'ai bien l'ancien en tête. Et là, ils y sont allés. Ouais. Ils ont rajouté des choses pour que ça fasse encore plus cossu. Enfin, encore plus moderne. Peut-être pas plus cossu, mais plus moderne encore. Je te remets officiellement les clés. Ah oui, montre la clé, il faut la filmer. Elle est très jolie. Elle est géniale, c'est la carte. C'est une carte, alors comme ça existe en fait, tu sais, chez le groupe Renault, il y avait les Clio notamment. C'est la première Laguna qui avait ça. La première Laguna, ouais. Ah, c'est pas mal. Et donc, il y a cette carte. Ah ouais. C'est bien, non, hein? C'est toi qui conduis la famille, là, regarde. Bien. Ils sont mignons derrière. Là, il y a de la sage. Ça va, Ludovic? Non, fais pas pipi tout de suite. Je trouve que les pièces sont jolies, quoi. Vraiment jolies. Ma cocotte. Non, vous avez pas trouvé ça bien, Si, mais on t'écoute religieusement. Débattent depuis 3 heures sur... Non, mais Cédric, franchement, en termes de prix, de... Bon, les aéroports, je suis pas fan, machin, mais... Best value for money. Ouais, voilà. Bon, c'est vraiment, ça c'est pas très joli, la pièce, tout, c'est un peu dommage. Parce que franchement, ça c'est super. Dacia a gagné. Non, tout ça, c'est bien. Si on m'avait dit ça. Hein? Si et dit ça un pavillon clair. Ouais. C'est bien ça aussi. Mais alors, c'est. Fréour. Oui. Moi je t'écoute, je vois tes paroles quand je regarde les vidéos de Genève. Comment elles passent les vitesses. Il faut t'embrayer surtout. T'embrayes pas là. Si je le laisse ça. mais je me crois à moitié sur une boîte auto. Mais non, mais c'est bien vu dans les années 80. La radio, il y a Wham et Mitterrand est encore président. Et alors, ça vous fait quoi de rouler en diesel? Ça va? C'est Cédric qu'il faut demander. Oui. Ah bah moi je supporte, mais pas pour lui. Moi je la trouve très agréable à conduire en ville pour ce qu'on a fait. La direction est très bien calibrée, je trouve qu'elle renvoie bien tout en restant précise et douce en même temps, ça, franchement c'est bien. Bon alors donc on a sur 5, on en a 4 qui l'achètent, c'est ça? Ouais. Ouais, Ludovic, ouais. Ouais, je prends. C'est bien insonorisé quand vous n'avez pas vraiment roulé, vous n'avez pas rendu compte. On va arriver. Quoi? Non mais tout fou les gars. Non mais il y en a 4 sur 5 qui... Hey, non mais vous êtes prêts mais à n'importe quoi. Bah, c'est 50%. Cher, hein. Non c'est pas ça, c'est quand t'aimes vraiment les voitures. Est-ce que... Ouais, pour l'acheter... Bah ouais mais c'est pas cher quoi. Donc, C'est déjà cher mais... Oui enfin voilà, c'est, oui. C'est le plus économique. Et tu sais à combien ça démarre en Volkswagen T-Rock? Franchement, je trouve ça mieux qu'un T-Rock. Là je vais te faire hurler Cédric, mais moi je trouve ça mieux qu'un T-Rock. Ah non, oh bah non. Ah si. Moi j'avais... Ouais, bah non. Alors, qui T-Rock ou Duster? Bah, moi, c'est vrai que je préfère le Duster au T-Rock. C'est vrai que moi aussi, j'ai pas été spécialement emballé par le T-Rock. Ou alors, le mieux, c'est le Karoq. On a été déçus par le T-Rock parce que par rapport aux attentes qu'on a sur Volkswagen, on l'a trouvé moins bien. Alors que là, par rapport aux attentes qu'on a sur Dacia, bah, on le trouve mieux en fait. Donc, c'est positif. Tu vois? Vous allez me laisser au coin de la rue. Non, du coup, ils sont au-dessus de nos attentes par rapport... Attends, bouge pas. Hein, Cédric, voilà, tu peux y aller, Cédric. Ouais. Allez. Quoi? Allez. Oh putain! Ça a été dur, hein? Ça a été très dur. En plus, c'est ta petite critère 1. Tu peux enfin rentrer. Ça a été une bonne chance.